Coucou Internet. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une commande que j'ai faite sur le site internet de Célia Melléville. Donc, je viens de te tourner ma commande. Donc, il y avait ce qu'il y a à l'intérieur et donc ce journal de tirage. Mais j'ai préféré approfondir la précédente vidéo avec le journal et dédier une vidéo au jeu que j'ai commandé. Donc, hop, donc on a toujours la petite carte. Voilà. Un petit flyer sur les différentes formations qu'elle propose. Donc la formation tarot, petit le normand, la formation tirage et la formation développer sa créativité puisqu'elle a effectivement créé sa maison d'édition, la Wild Edition Formation. Nous avons ici, oui, bah, toujours une précision sur la formation Wild Edition. Et donc là, à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Faites connaissance avec votre jeu. Et c'est bilingue, c'est ça qui est payant. Nous vous proposons, pardon, de faire connaissance avec votre jeu avec ce tirage. Et donc là, elle nous propose un tirage. Donc ça, c'est très bien. Sympa. C'est un petit plus sympa. Ok. J'avais déjà fait une commande chez Célia, où je lui avais commandé le Sweet Ladies Oracle. Je te présente aussi dans une de mes vidéos. Je te mettrai un lien en barre d'information pour te faciliter la tâche. Sinon, si tu as plus de temps devant toi, je t'invite à chercher sur ma chaîne. Sponsorisé par ma carte bleue. Écoute, on ne peut pas faire mieux. Allez, on est parti. Et donc, oh, alors déjà, c'est dans un petit. Donc, c'est bien protégé. Très bien. Donc, ok. Alors, qu'avons-nous là? Attends, on va essayer de faire les choses. La petite étoile qui va bien. Pour illuminer nos cœurs. Donc, enveloppé dans un papier de soie. Hop! Et donc voilà, j'ai commandé le reflet de lune. Hop, tu me vois? Le reflet de lune de Célia Melléville. Alors, il y a la clé des songes. Ok. Et donc voilà, j'ai l'exemplaire numéro 168 sur 1500. Première édition. Est-ce qu'il va y en avoir une deuxième? On ne sait pas. C'est tout le bonheur que je lui souhaite. Alors, ensuite, donc, du plastique. Tac, donc dans une boîte en ferraille. Alors moi j'aime bien, c'est tout petit, comme ça tu peux l'amener partout. C'est génial. Donc une boîte en ferraille classique. Mais c'est un détail qui n'est pas négligeable. Les détails sur la boîte. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc, il y en a 40. Donc, à la base, il y en a 36. On en a rajouté 4. Eh bien, écoute, on va voir ça ensemble. Alors, qu'avons-nous là? Donc, nous avons le reflet de lune, donc une carte, voilà. Donc tout ce qu'il faut. Très bien. Une petite carte supplémentaire pense-bête avec les mots-clés principaux. Et alors, ah oui, d'accord, non, non, il y en a bien 36. Ouais. Il y en a bien 36. 37, 38, il doit y en avoir deux autres de présentation. Mais il y en a bien 36. Elle s'est bien basée sur les 36. Côté français, côté anglais, comme ça c'est pas mal, ça touche encore plus de monde. J'adore. Les petites cartes sont de petits formats. Les tranches noires, parfait, comme ça j'aurais pas à le faire. Écoute. Le dos des cartes. Ok. Donc là, les cartes postales que tu vois en arrière-plan, c'est ce que j'avais commandé sur ma première commande.
puisqu'elle crée des oracles et donc des oracles et des tarots. Donc elle fait beaucoup d'illustrations et comme j'aimais beaucoup, j'ai déjà envie de les mélanger. Alors, nous avons le cavalier. D'accord. Le trèfle. Le bateau. Ok, donc en bas de chaque carte, on a la correspondance avec le jeu de cartes cartomancie traditionnel. Donc là, le 10 de pique correspond effectivement au bateau. La maison, le foyer, qui est donc le roi de cœur. D'accord. La carte numéro 5, l'arbre. Pour la santé. Les nuages. D'accord. Le serpent, pour l'hypocrisie ou le changement peut-être, hein, puisqu'un serpent, ça mue. Le cercueil avec une bougie. Tu me prends par les sentiments, Célia. Je suis assez fan des bougies, c'est pour ça. Ok, j'adore. Le cercueil, fin de cycle. Enfin, ça n'a pas que cette signification, mais c'est celle qui me vient en tête. Le lys. C'est vraiment super. Hein. Elle a un coup de crayon. Non, c'est pas le lys, c'est le bouquet. Si je te dis des bêtises en plus, je vais essayer d'en dire le moins possible quand même. Non, c'est le bouquet. Non, parce que le lys, il serait pas représenté comme ça. La faux. D'accord. Là, on retrouve peut-être un peu le symbole de... le symbole qu'elle utilise pour sa maison d'édition. Enfin, tout du moins, ça m'y fait penser. Trancher dans le vif. Le balai, pour un petit coup de nettoyage. Il est temps de... faire table rase des choses toxiques. Les oiseaux, la communication. D'accord. La femme. Ok. Je découvre avec toi, hein, donc enfin tu l'as bien compris. Le renard pour la ruse. La méfiance. Notre loup national pour la protection, une personne robuste, la sécurité, la protection, l'étoile. Oui, je pensais qu'elle aurait plus travaillé que ça. Elle est très jolie, mais ok. Oh, puis avec cette façon de... comme si c'était des tâches... Je sais qu'à un moment donné, dans son intro de vidéo, elle avait fait une intro comme ça, avec des pinceaux, de la peinture, et puis hop, je sais plus si c'est encore une intro actuelle ou si elle a changé. Mais ça m'avait marqué, donc du coup, je t'en fais part. La cigogne, pour peut-être un début de grossesse, allez savoir. Le chien pour la fidélité. La stabilité. C'est un petit bigle. Enfin, ça me fait penser à un bigle. Je sais pas si elle a pensé à ça, mais... Ok, la tour. Le lys? C'est ça, le lys? Enfin, c'est ça. Ok, il me semble. Je vais éviter de te dire des bêtises, je vais les vérifier moi-même. Je ne voudrais pas non plus prendre. Alors, la carte numéro 20.
Non, la carte numéro 20, c'est le jardin. Ben oui, Victoria, forcément. C'est le jardin. Ok, très bien. D'accord. Donc, les montagnes. Le choix, la carte du choix. C'est une ambiance de forêt. Enfin, c'est ce à quoi ça me fait penser. Je ne sais pas si c'était l'idée principale de la créatrice, mais... Ok. À l'oreille d'une forêt. Tu choisis. Petite souris. Elles sont mignonnes. J'aime beaucoup. J'adore. L'amour. Le cœur. C'est puissant, hein? Ouh là là. Alors attendez, 25. Qu'est-ce que c'est déjà 25? C'est l'anneau. Donc là, on a l'anneau. Ah bah oui, il est au milieu. J'avais vu uniquement le... J'avais pas fait attention. Parce que comme je regarde dans la caméra, je regarde pas à côté. J'avais pas fait attention, effectivement, oui, c'est un anneau, c'est clair. D'accord, le livre des secrets. Ah, c'est... Ouh, c'est pétillant. J'aime beaucoup. C'est frais. La lettre. Recevoir des messages par écrit. L'homme. Je suis en train de penser que j'ai une bêtise, je t'ai dit que c'était la femme, mais non, en fait, c'est l'enfant. Tout à l'heure. Donc, tu vois. L'enfant. Et puis les cartes sont très douces. Ça, c'est l'enfant. C'est pas la femme. C'est l'enfant. Cartes sont très douces. Elles sont un peu plus fines que le Sweet Oracle, mais c'est pas plus mal. Donc là, nous avions le jeune homme. Et là, nous avons l'homme. Un peu plus moderne, très séduisant. Nous avons la femme. Et oui, 28-29. D'accord, la jeune femme, très spirituelle. Hein? Les détails est saisissant. Ok, donc là nous avons le fameux lys qui ressemble plus à un lys effectivement. C'est beau. De toute façon le lys en lui-même, mais je trouve que c'était très beau. Donc là, c'est le soleil, donc. D'accord. La lune pour les énergies féminines. Je pense que... Oui. La clé. La clé, clé du bonheur. Les poissons pour les rentrées financières ou le domaine professionnel. D'accord. L'encre pour l'ancrage. Le retour à soi. La croix. Tout a une fin. Tout a un début, tout a une fin. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, je suis très satisfaite. J'aime beaucoup. Ce sont des petites cartes. C'est au format traditionnel, le normand. Ce qui me semble qu'à la base, c'est des cartes petites comme ça. Le dos des cartes. Non, je trouve que... Ok, c'est très très bien.
J'ai hésité, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, mais j'ai hésité. À chaque fois, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et puis, j'ai fait. Voilà. Bon, eh bien, écoute, c'était la présentation pour le reflet de lune de Célia Méléville. Donc, le Lenormand reflet de lune, et puis le nom. C'est magnifique. Bon, eh bien, écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire, si tu le souhaites, bien sûr. Écoute ton cœur. Écoute ton intuition. Alors, si ton intuition te dit de liker, n'hésite pas, hein, suis là. Hein. Allez, je te laisse. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous.